Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans MMA Extra Rand. Aujourd'hui, nous recevons une globe trotteuse et pas des moindres, puisqu'il s'agit de Claire Lopez. Elle a fait ses armes dernièrement au Combatté Global avec un certain talent et maintenant elle signe au Rising. C'est la grande nouvelle de la semaine. Salut Claire. Salut, merci. Claire, tu viens tout droit de Londres parce que c'est là-bas que tu t'entraînes. On va parler un petit peu de ton parcours, de tes ambitions, mais avant cela, les news avec Lucien Jahan. Lors de l'UFC 286 à Londres, la légende Kamaru Ousmane a sombré. Déjà battu en août dernier sur un chaos retentissant par Leon Edwards, le Nigérian s'est de nouveau incliné face à son rival. Mais ce fut loin d'être une promenade de santé pour l'Anglais, vainqueur étriqué au terme d'un combat serré remporté par décision majoritaire. Porté par son public, Edwards s'est toutefois montré plus tranchant, plus dominant que son adversaire. Première défense de titre réussie pour le Britannique. Son prochain adversaire devait être Colby Covington, mais le roi des Welterweight n'est pas de cet avis. Il s'estime en droit de choisir son futur adversaire. Ses propos sont clairs je ne signerai pas de contrat avec le nom de Colby Covington. Dana White, boss de l'UFC, avait pourtant déjà validé l'affrontement entre les deux hommes. Le bras de fer est lancé affaire à suivre. La nouvelle ligue tahitienne de MMA, l'Octo Fighting League, a organisé son premier événement à Punaya au Parc Verret. L'Octo Fighting League est née de la rencontre de deux passionnés, Avaro Eagle, représentant l'association Sphere MMA Academy, et Enzo Brigato, responsable événementiel. Cette nouvelle organisation polynésienne peut se réjouir du déroulé de son premier événement, parrainé par un certain Cédric Doumbé. Dans les combats de la main card, le niçois Théo Meurice a été déclaré vainqueur par décision unanime face à Taramu Tiniro. En lourd léger, Remana Tounoua s'est incliné par décision unanime face au Marseillais Ibrahim Wade. Et chez les légers, le Tahitien Julian Slouch a remporté son combat devant son public. Le quart de finaliste des mondiaux de MMA amateur est venu à bout du Varrois Tony Di Gasparro. La victoire de Julian Slouch a parfaitement lancé le dernier combat de la soirée, un événement historique pour le MMA polynésien puisqu'il s'agissait du premier combat professionnel organisé sur l'île. Et ce combat opposait deux femmes. D'un côté, la Tahitienne Florani et de l'autre, la Française Annabelle Merlier-Lemoine. Malgré une pesée ratée par Florani, la locale s'est imposée par décision unanime. Une belle conclusion pour ce premier événement de l'Octo Fighting League qui en appelle déjà beaucoup d'autres. La Sueur, média référence dans le MMA, a créé sa propre ligue, la Sueur Fighting Championship. La première édition aura lieu le 31 mars au cirque Bormann dans le 15e arrondissement de Paris. On notera la présence de Nel Ariano et Mathilde Aschenbrenner, deux médaillés d'or au Championnats d'Europe IMAF 2022. Nel et Mathilde qui étaient passés sur le plateau de MMA Extra Round, une émission que vous pouvez bien sûr retrouver en replay. La soirée se terminera en beauté avec deux super fights de grappling. Les phénomènes Malik Abdouragimov et Lozen Keita se feront face. Puis ce sera le tour des rivaux Damien Lapidus et Amin Ayoub dans des coudras nouveaux. Une soirée qui s'annonce explosive si on devait faire un classement Porn for pound chez les féminines, pour sûr Claire, tu serais dans le top 3. Et c'est pour ça que j'ai tenu à t'inviter. Tu es notre invitée Spotlight. On va déjà parler de ton parcours, ton histoire qui est très singulière. Euh, avant d'être combattante, tu étais une gymnaste. C'est ça. Bien ça Alors raconte-moi un petit peu, tu as été gymnaste pendant combien d'années À quel niveau Où est-ce que tu vivais Parce que tu as aussi vécu en Guyane, je crois. Mmh. Alors, euh, en fait, là, j'habitais sur la côte d'Azur, à Grasse. Et euh, j'ai commencé la gym à 6 ans. J'ai été très vite détectée pour faire du sport études euh, au niveau. Donc, je m'entraînais 25 heures par semaine pendant 10 ans, jusqu'à mes 17 ans. Incroyable. Euh, ouais. <laughs> ah ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais. C'était... Bah, c'est vraiment une école de la vie, hein, tu ouais. vois. Ça m'a éduquée, en fait. Je crois que c'est la gym qui m'a vraiment donné cette éducation. Tu faisais tout en gym Quel agré... Enfin, ça, 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 non, 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 je faisais tu sais tout. tout euh, ouais. Bar, put, sol, saut. En fait, t'es euh, généraliste. Ouais. Et, euh, et après, à 17 ans, j'ai eu pas mal de problèmes de genoux. Mes parents étaient partis en Guyane déjà, depuis un an. Moi, j'étais en famille d'accueil. Et je me suis dit, bon, là, c'est bon, euh, ça fait beaucoup. Et puis, j'en pouvais plus, en fait, j'en avais marre. Et euh, je suis partie en Guyane à ce moment-là, à 17 ans. Et alors, la gym, justement, ça nous donne des indications sur ton profil athlétique. Euh, je... Est-ce que ça te rend service aujourd'hui dans ton parcours de combattante Carrément, oui. Parce que ce sont des forces de la nature. Hein. Ouais. Basil Lomachenko était un gymnaste, ouais. euh, champion du monde de boxe, champion olympique, etc., hein. Ouais, ça, ça aide mais déjà, commencer le sport très très tôt, euh, forcément ça va t'aider pour n'importe quel sport après, mais c'est surtout, ça te donne de l'agilité, ça te donne des repères spatio-temporels, tu connais bien ton corps, et puis surtout niveau mental, discipline, rigueur, euh, euh, comme je dis, c'est une éducation qui m'aide jusqu'à aujourd'hui encore. C'est ça, c'est la rigueur et C'est par ouais, ouais. très très Mais, tôt, mais quelle quel place tôt. ça a laissé à ton enfance du Okay. Moi, à ton âge, j'allais au Disney, euh, tu que je pas non, alors, mais, non, non, moi, les Disney, bah, les séjours bien. au ski, les, on n'en avait pas. On avait trois semaines par an de vacances en août avec des devoirs à faire à la maison. Euh, non, c'était vraiment du non-stop parce que quand tu arrêtes pendant une semaine, déjà, tu perds beaucoup, en fait. Et, euh, et ça a été ça. Voilà, c'est pour ça qu'à un moment donné, à 17 ans, j'ai eu le ras-le-bol. Mais non, ouais, l'enfance, bon... Et en plus, différence. 17 ans, c'est assez vieux, finalement, pour les gymnastes. C'est À hein, 17 triste, ans, hein. si tu n'as pas atteint un certain niveau ouais. ou atteint des pôles ou quoi, tu sais que c'est mort, ouais. déjà. Et moi, j'étais là à la fin, plus pour le plaisir, pour aider mon équipe. On a fait des très beaux championnats. Le, ouais. le plus haut niveau que tu as eu, donc, c'était quoi bah, En fait, j'ai fait par équipe le top 12, c'est-à-dire bah, la Ligue 1 française, on va dire. Et on a été, je crois, 10e. Donc dixième meilleure équipe française, mais voilà, tu, 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 tu concourais contre les, les filles qui étaient en équipe de France, mmh. qui faisaient les JO, donc c'était quand même une belle expérience. Bah, carrément, ouais. Ouais. Mais donc tu es conditionné depuis le plus jeune âge pour être une machine de guerre, ça c'est clair. Ensuite tu es parti en Guyane, tu as rejoint tes parents, c'est ça C'est ça. Donc j'ai beaucoup de familles qui est là-bas. Mes parents ont décidé de s'installer là-bas. Je les ai rejoints et à partir de là, moi j'avais arrêté les études. Donc j'ai euh, décidé de devenir entraîneur de gym. Il y avait un club qui était un peu laissé à l'abandon. Ils m'ont demandé euh, de le récupérer. Oh, et pendant dix ans j'ai entraîné. Je me suis formé un peu moi-même. J'ai appris sur le terrain. Et je suis devenue, voilà, j'ai passé des diplômes et je suis devenue conseiller technique régionale. J'avais un super poste, une vie sympa. Et comment ça arrive, donc, le MMA dans tout ça Ça n'arrive pas du tout à ce moment-là. <laughs> je ah, crois que... Bah, alors, quand je suis arrivée en Guyane, j'ai commencé par la capoeira parce que je me dis, oh, tiens, c'est sympa, l'ambiance, la, martial, la ouais. gymnastique, un peu, ça, je m'y retrouve. Au bout d'un an, je me dis, euh, c'est marrant, mais ça, la compétition me manque, en fait. Le, moi, m'entraîner pour rigoler... Euh, on était ouais, pas une sportive et du dimanche. Hein. Non. Et en fait, euh, bah, mon père avait fait un peu de boxe taille quand il était jeune. Je sais pas, j'avais ça dans un coin de la tête. Et, euh, et un jour, j'essaye comme ça, je rentre dans une salle, j'essaye. Mouetteille. Ouais. Ah, là, tu vas plaire à Sam. Ouais. Bon. Ouais. Euh, elle euh, a, elle a beaucoup de chance. Bon. <laughs> voilà, D'ailleurs, euh, on a le drapeau à chaque fois qu'il revient parce que c'est là que j'ai commencé, c'est là que j'ai euh, découvert que j'étais une combattante. Donc je rentre dans une salle de Mouetaï ça me plaît, euh, j'apprends très vite. Et six mois après, je fais mon premier combat à Belém au Brésil. Euh, donc ah était ouais, euh, parti dans le dur direct. C'est le Brésil, bah alors, un Brésil. Brésil ça veut part. dire tu y vas, on sait pas s'il y a une fille, quel poids elle fera, on verra ouais. sur place. Tu fais combien tu oh ouais. on va vous mettre ensemble. Il ouais. euh, y avait, à la taille, y avait, ouais, y avait 8 kg d'écart mais c'était cool. ouais. génial en fait l'expérience elle m'a vraiment plu de sur le combat. Ouais. Et là, je me suis dit, ouais, je, je, je veux en faire d'autres. J'en ai fait bah, au Suriname, en Thaïlande, au Brésil, en France aussi, à Paris. J'ai fait un combat à Paris. Ouais, super. Non, mais tu vois, la, la, la globe ça, trotteuse. Hein. J'ai fait ça pendant quatre ans. D'accord. Et je suis tombée enceinte, donc là, les combats se sont arrêtés. Ouais. Après ça, j'ai j'ai essayé le jujitsu un an, deux ans après le petit, ouais. Et une fois que j'avais le jiu dessus et la Boxe Thaï, j'avais envie de me remettre dans cet esprit de combat. J'avais vu des combats au Brésil de Valet-Tudo. Mm. Je me suis dit, tiens, maintenant que je suis un peu plus complète, pourquoi pas essayer... Pourquoi le, le Valet-Tudo <laughs> bah, J'étais en vacances au Brésil et puis il ouais, y avait des, des événements, ah ouais. tu vois. Et puis j'avais vu ça, les mecs, ils étaient en slip et tout. Enfin, C'est à l'ancienne, quoi. Ah, C'est vraiment ouais. incroyable. Et là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas Mais juste pourquoi pas, tu vois. Ouais. Je m'entraînais avec des potes comme ça. Et en fait, euh, bah pourquoi je, comment je me suis lancée un soir, euh, au bout de 10 ans de Guyane, mon appartement, il a, il a pris feu dans la nuit et mmh. j'ai tout perdu, parce que je n'étais pas assurée. <laughs> j'ai tout <laughs> perdu. Aïe. Et euh, je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais prendre ça comme un signe, euh, peut-être que c'est le moment de passer à autre chose, parce que je tourne un peu en rond dans ma vie. Ouais. J'ai tout quitté, j'ai quitté mon job, j'ai vendu ma voiture, j'ai pris mon fils par contre quand même. Tu étais... <laughs> ah, étais toujours euh, en train étais de... Tu en Guyane, là, à ce euh, moment-là ouais. Et j'avais une bonne situation, tu vois. Mais euh, ouais, je suis partie et je me suis dit, vas-y, j'ai envie de faire du MMA. Et il faut que j'aille en France. Parce qu'en Guyane, euh, c'est pas, pas assez développé, tu vois. Je me suis dit, il faut que j'aille à Paris, sûrement, voir ce qu'il y a. Et voilà, j'ai... mais pourtant, il y avait... le, le, le... n'était pas légal en France. Qu'est-ce qui t'a poussé à dire, je vais faire du Non mais, il y avait tout non, dans mais ce à choisir tout le monde. entre il y avait la ça. Guyane et ouais. la France, il y avait quand même des clubs. Je, sais, je connaissais, euh, il y avait le Factory, il y avait tout ça. Ouais. Donc je me dis, euh, peut-être moyen de s'entraîner quand même, tu vois. Mm -hmm. Et puis euh, j'avais le petit, il avait 3-4 ans. Donc, enfin, pourquoi pas... pas le Brésil dans ces cas-là Parce que tu es plus proche... Je euh, reste un pays étranger. Euh... Ouais, enfin, partir comme ça au Brésil, euh... non, c'était... Euh... Ouais, c'était plus... Euh... Non, ouais. Non, je me suis dit, je vais partir en France. J'ai vu Paris, je sais pas pourquoi. Et alors, finalement, donc, tu as fait des débuts plutôt euh, intéressants euh, en MMA euh, à partir de la France, mais finalement, tu as décidé de t'exporter, euh, pas aux États-Unis, mais en Angleterre. Pourquoi ouais. Alors, j'ai fait deux ans en France, euh, première année dans une équipe et la deuxième année avec Johnny Frachet à la Hatch Academy, et ça se passait très bien. Mais en fait, euh, bah, moi, j'ai rencontré un ami euh, qui a été mon coach aussi par la suite, Sam. Euh, qui m'a fait découvrir le MMA à Las Vegas pendant trois semaines. Et en fait, je me suis dit, ah ouais, la différence entre euh, les Américains, ce qu'ils font, et les Français. Oh, mais c'était euh, à l'époque où le MMA n'était pas légal. C'est vrai, ouais, Aujourd'hui, tu as un point de comparaison Tu n'as pas l'impression que ça se structure suis... un peu mieux quand ça même Ça fait trois ans et demi que je suis partie à Londres, que je suis vraiment tout le temps là-bas, que je ne m'entraîne pratiquement pas en France. Donc, euh, j'ai du mal un peu à comparer. Mais c'est vrai qu'il y a des structures qui se développent vachement bien, qui deviennent très pro, comme on voit le NR, tout ça. Et, euh, et ça va se faire. Mais moi, j'ai quand même 34 ans aujourd'hui, j'ai commencé à 29 ans, donc je n'avais pas le temps d'attendre que le, ouais. le MMA se développe. Ouais. Donc, je me suis dit c'est maintenant que je dois partir. Déjà, à euh, Paris, je ne me sentais pas bien non plus, il faut dire. Donc, trouver un endroit où je me sente bien, avec des coachs qui ont de, beaucoup d'expérience. Mon coach, c'est un UFC euh, vétéran. Euh, Brad Pickett, c'est une légende en Angleterre, sûr, il ah oui, sait okay. de quoi il parle. En plus, il fait la même taille que moi, même gabarit. Donc, <laughs> je me suis vraiment retrouvée dans son style. Donc Brad Pickett, tu as trouvé vraiment euh, en son, au sein de son club, tu as trouvé l'équilibre et ce que tu recherchais. Oui, c'est ça. J'ai tout ce qu'il me faut euh, au même endroit. Euh, bon après, ça te demande beaucoup de sacrifices parce que mon est fils est en France. C'est ce que, que j'allais dire. France. Voilà, euh... c'est un sacrifice difficile. Ouais. Mais là, que... tu vis vraiment à Londres, là. Tu... Je, je, ouais, ouais, ouais. ouais. Je, une, une semaine par mois, je rentre en France pour, pour voir mon le fils. Mais euh, c'est vrai que c'est pas, pas facile parce qu'en fait, le but, c'est quoi C'est de gagner sa vie avec le MMA. Et de pouvoir peut-être s'installer, prendre mon fils avec moi, lui payer l'école, etc. Machin. Et, euh, et l'école à Londres, est très cher. La vie est très chère à Londres. Donc en fait, aujourd'hui, je dépense beaucoup pour être là-bas. Je sacrifie beaucoup. Je suis dans une belle orga qui me paye bien, mais j'ai beaucoup de mal à trouver des adversaires et à combattre régulièrement. Donc ouais. là, ça fait trois ans que je combat une fois, une fois l'été et que un, je dois attendre un an avant d'avoir une autre adversaire. Et tu as, as combattu qu'à l'étranger, sauf. T'as as fait un combat en France ouais. au GFA. Le tout premier, c'était du Pancras du coup, C'était ah, elle hein. est elle est ouais, sur est une autre sphère 2017, contre Leila Secaf. Alors Et moi pas de combat en France. Non. J'aimerais bien revenir euh, sur ce sacrifice que tu as fait, euh, comment il le vit euh, ton fils cet éloignement Alors euh, bon, il était petit quand ça a commencé, donc il s'y est fait mais en fait moi je, je parle beaucoup avec lui. Je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup en général mais il a il a 9 ans là maintenant. Je veux qu'il comprenne pourquoi, qu'il se donne il n'a pas l'impression d'être non plus abandonné, mais qu'il sache ce que je fais et quel est le but derrière. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, en grandissant, il est très fier. À moi, je vais à l'école, tout le monde sait ce que je fais. Euh, tout le ouais. monde connaît ma chaîne YouTube. Ouais. La prof, elle est fan, etc. Donc, tu vois, je sais qu'il en parle de moi, il est fier. Mais c'est vrai que bah, c'est pas facile. C'est un petit Petit garçon qui a besoin de sa maman aussi, donc on essaie de trouver l'équilibre. Donc il est chez les grands-parents Il est chez mes parents, ouais. avec qui ça se passe très très bien aussi, ouais. hein, donc euh, ouais. ça c'est une chance que ouais. j'ai aussi, mes parents ils sont encore jeunes, ils sont, voilà, ils sont encore dynamiques, donc c'est cool. Mais, euh, mais le but c'est pas de rester comme ça jusqu'à la fin de ma carrière, c'est vraiment de, ouais. de me stabiliser, de trouver un moyen de… Il y, y a des moments où ça te pèse ou pas alors euh, en fait il y a des moments quand par exemple euh, j'ai des annulations, j'ai pas de combat, on ouais, me dit on promet un combat en, en octobre, en mars, mmh. ça arrive pas et là je me dis mais qu'est-ce que je fous là Il y a encore euh, un mois je me disais qu'est-ce que je fous là quoi Est-ce que je continue Est-ce que, est que ça va payer parce que là j'en peux plus quoi mmh. je, fais, je, je, je dépense de, de l'argent, des sacrifices, bon, tout ça, pourquoi On me dit non accroche-toi, accroche-toi, tu sais qu'il faut s'accrocher et puis bon voilà quand tu t'accroches, bah, une bonne nouvelle qui arrive mmh. donc ça te, pff, tu vois, ça, ça te donne un ouais. nouvel élan quoi. Alors, justement, on va en parler de ce nouvel élan parce qu'il y en a un beau qui arrive. Mais avant ça, ta vie à Londres, comment elle s'organise C'est-à-dire que tu ne fais que du MMA ou est-ce que tu travailles à côté Tu as des sponsors Comment tu, tu Alors, vis Alors, quand je suis arrivée là-bas, euh, ben, mon ami que je te disais ça m'a beaucoup aidé à m'installer, euh, à me trouver des sponsors, à lui-même me sponsoriser. Donc, j'étais été plutôt, euh, plutôt relax sur ça et très concentrée sur mes entraînements. Après, euh, voilà, au bout de deux ans, il bah, euh, faut aussi que moi je me, je me débrouille euh, un peu par moi-même. Euh. Et euh, j'ai commencé en fait à. On a une nouvelle salle avec Brad qui a ouvert en janvier. Et euh, du coup, il bah on... y a moyen que je fasse des coachings, des cours enfants. Ouais, ouais. Et euh, je me développe un peu. En fait, je suis toute la journée à la salle, du matin au soir. Mais soit je m'entraîne, soit j'entraîne les autres. Ça me permet de vivre, on va dire, mm -hmm. de survivre à Londres. Mais ça ne me permet pas de. Et es en colocation avec des extras Parce que c'est très à la mode les colocations. Je crois même que c'est. Enfin... Ouais, Alors non, là, oui. aujourd'hui. Je, depuis mon dernier combat, plus de, là, j'ai plus rien pour, pour vivre concrètement à Londres. Donc, je suis hébergée chez, chez mon coach Brad euh, temporairement. Mais euh, j'attends d'avoir mon prochain combat pour retrouver une chance. C'était quand ton, ton dernier combat, là C'était en août contre en août. Camille Rivarola. Ouais, c'était ouais, un très, 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 très beau combat. Ouais. Une grosse performance. Camille Rivarola, <laughs> l'ancienne Espagne, La le premier de route, hein. Cyril Diabaté, ouais. euh, qui est une très bonne combattante aussi. On attendait ce combat, il nous a complètement hypé. Donc Tu l'as vaincu, derrière on aurait dû avoir des opportunités de titre, tu n'en as pas eu, qu'est-ce qui s'est passé bah, On en a parlé du titre, moi je n'ai pas arrêté de toute la semaine de combat, j'ai, euh, comment on dit, call out la, 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 la numéro 1, puisque je suis numéro 2. Mm -hmm. Et en fait on me dit en octobre on veut faire ce combat, en octobre il n'y a rien, ensuite en mars, en mars il n'y a rien. La fille, elle n'est pas très chaude à m'affronter. Les numéros 2, 3, 4, 5 non plus. Donc, en fait... Euh, c'est compliqué. C'est ta catégorie qui veut ça Ou c'est juste la réputation que tu t'es forgée Je ne sais, sais pas. Moi, j'ai déjà entendu que les équipes disaient c'est un combat risqué c'est un combat. Euh, Peut-être qu'il y en a qui protègent <laughs> leur record parce qu'il y a un step vers l'UFC à faire. Bien sûr. C'est ça qui se passe. C'est complètement ça. Moi, je suis sur deux catégories en plus. Je combats en 52, mais je fais mon point normal, c'est 53. Donc, je fais 52 et 48. Donc, ouais. j'ouvre toutes les, les possibilités. Euh, et je sais que l'Orga se donne les moyens vraiment avec moi de me faire monter, mais voilà, s'il n'y si a pas d'adversaire, il n'y a pas de combat. Euh, parce que ton contrat, euh, quel est ton contrat en fait avec Combatté euh, J'ai signé l'année dernière pour euh, deux ans euh, sur cinq combats. Et là, tu en as fait combien J'en ai fait un. Un seul, ah oui, donc il y a un reste parce que les trois combats que j'avais fait avant sur le tournoi, ils n'étaient pas encore dans mon contrat. D'accord. J'avais okay. fait un, un tournoi d'une soirée. le dernier en août, ouais, là, ça, fait, ça fait long là. Ouais, ça ouais. Fait long. Et alors, justement, euh, dans le moment où, à ce moment-là, tu commençais presque à désespérer, c'est ce que tu nous disais quand une bonne nouvelle est venue frapper à ta porte. Raconte-nous ouais. tout. Alors, déjà, Combaté Global me propose un combat en mai à Miami contre une Française. Et euh, en fin on de peut compte… Tu peux avoir le nom de la Française ou c'est… Oh non, je ne pense pas. Non. non. <laughs> Moi, je non. sais, mais je <laughs> ne dirai rien. Non, mais parce qu'en fait, le combat, finalement, ouais. on, on me dit, bon, finalement, elle ne peut pas pour des raisons personnelles. OK. Donc, euh, bon, OK, là, encore une mauvaise nouvelle. Mais, mmh. on me dit, mais on peut te placer sur euh, euh, le Rising. Alors, je ne sais pas comment ils bossent ensemble, comment ça se fait, mais voilà, il y a cette opportunité. On me donne le, le nom de l'adversaire, je réponds de suite, c'est OK pour moi. J'attends ce combat depuis trois ans. Cette fille-là, on me l'a proposée à ah, trois ans. J'ai dit oui, elle, a, elle avait refusé à l'époque. Ah, elle avait refusé ouais, elle avait Attends, c'est la championne euh, Je sais pas si elle est championne de... Je pense ce que C'est une, une fille qui est très bien classée elle au Rising. Est très, très connue là-bas. C'est ouais. une une Star là-bas au Rising. À euh, l'époque, elle faisait un peu sa princesse, elle s'appelle Rena. Je pas, ah mais oui, oui Je n'ai pas, bien pas envie d'accorcher son nom, mais je crois que c'est Kabuto ou Kuba. D'accord. Non, mais oui, très bien. <laughs> et, euh, et là, on me la propose. Moi, mon manager, une seconde après, je lui dis, c'est bon, je prends ce qu'on va. Ah, je ne t'ai même pas parlé de la prime, de machin. Je dis, je prends ouais. ce qu'on Et alors, le Rising, Seb, c'est une référence en Asie. Bah, le Rising, c'est l'organisation japonaise, euh, la, la, la number one, l'organisation phare par excellence. Hein. Alors, elle a été créée en 2015 par euh, l'ancien du, du Pride, ouais. Hein, c'est euh, Sakak Sakakiraba euh, qui a donc recréé cette, cette organisation, le C'est génial, c'est l'entrée des combattants, c'est un vrai spectacle. Euh, ils font cette, euh, comment, ce, ce tournoi, le Rising Grand Prix, tournoi à élimination directe où tu combats plusieurs fois dans la soirée. Ils ont même fait un tournoi Rising Kickboxing en 2017 et en 2021, 2020 ou 2021. Bref, c'est génial. Et puis ça nous rappelle. Euh, bah, cette grande époque du Pride et puis le, 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 ce, ce, comment, ce, cet engouement japonais qui est extraordinaire. C est les combattants, c'est des demi-dieux. C'est génial. Donc, c'est une opportunité géniale pour toi de combattre là-bas. Alors, puis, déjà, il y a ça, il y a les règles, règles Pride qui sont. En plus, euh, oui, Parce que moi, j'ai tendance à ring. très vite me lasser. Non, ah, c'est ça. Ça sera en cage. Ça sera en cage ouais. ouais. celui-là, il sera en cage. Ah, c'est le premier. Hein, mais c'est mieux en cage. 3x5 en cage. Parce que Rising, c'est ring, Rising. Il y a aussi des combats en cage, j'ai regardé. Euh, mais par contre, voilà, règle Pride, c'est-à-dire. Euh, Alors rappelle-nous les règles euh, du Pride Alors, euh, bah. Stomp Tu peux euh, mettre les stompes et les ouais. coups de genoux au sol. Euh, les... Que pour les gens qui ne connaissent Alors, pas, qu'est-ce que c'est les stompes oui. <laughs> non, Un que... coup de talon dans le visage. Ouais. <laughs> ouais. Euh, mais quand la, est au avec la tête. <laughs> quand la personne. la personne <laughs> est au sol, ce qui normalement en MMA dans les règles UFC, tu peux que frapper avec tes poings. Ouais. Euh, là, tu peux frapper avec tes pieds et tes genoux au sol. Donc euh, voilà, si la personne est à quatre pattes, tu peux lui mettre un coup de genou. Coup de genou. Tu de peux six. aussi mettre les coudes, qu'on appelle 12 to 6, donc de haut en bas, euh, qui ne sont pas autorisés à l'UFC. Donc en fait, moi, ça me, qui, moi qui ai tendance à me lasser très vite, là je redécouvre quelque chose de nouveau à l'entraînement. Ben, je fais des nouvelles séances de drill en fonction de ça, comment mettre des bons genoux au sol, la meilleure position, etc. Et ça me donne. Euh, un stimulant quoi c'est oui, bah oui, super oui, excitant pour moi supplémentaire. voilà ouais. de savoir que je vais combattre dans ces règles là c'est génial et surtout comme tu disais le Japon c'est le pays des arts martiaux Bien ah. sûr. donc quel combattant ne rêve pas d'aller devant euh, je ne sais pas combien de, de, de japonais qui sont là et qui, qui te respectent Bien sûr. Ah, le public tout. il est oui. incroyable même s'ils ne sont pas pour toi mais ils ont un respect pour les combattants qui est euh, différent de Puis ce c'est une, une belle porte ouverte le rising parce qu'ils sont euh, un petit peu euh, comment, ils organisent des fois avec le Bellator on a, oui. on a vu là, oui. le oui. rising oui. contre le Bellator oui. donc c est, c est, je trouve ça mais avec ton profil ça a du sens hein. et, oui. carrément et non, et encore une fois, c'est une belle exposition. Ah, oui. euh, tu peux vraiment gagner une belle fanbase en Asie, ce qui, ce qui est plutôt bien. Bah, moi, ça vu, me dérange pas ouais, de star. faire ouais. une carrière en Asie. Enfin, je suis pas, j'ai pas la casquette UFC que j'ai envie de forcément. C'est pas mon rêve, UFC. Mmh. Ouais. Ça arrive, ouais. tant mieux si l'opportunité est bonne. Mais, euh, mais moi, faire un carrière en Asie, ce serait le, le top. Surtout ouais. que pour ta catégorie, il y a beaucoup plus de compétitions euh, en Asie. Hein. Ça. Et puis, Alors, et puis il y aura beaucoup plus d'adversaires, je pense, qui seront prêts à effectivement à t'affronter. Ça sera beaucoup oui. plus oui. simple, je pense, qu'en Europe. Est-ce oui. que tu vas nous faire un show façon manga comme les comme les japonais oui. tu, tu seras obligé pour ton entrée. pas <laughs> <laughs> le choix. Euh... <laughs> je ne sais pas trop <laughs> dans, dans ma nature. <rire> <rire> <Parce> <rire> On va découvrir une nouvelle clair. Un, je peux faire un backflip à la fin dans la cage. Voilà. Mais à l'affaire texte, Stampler non mais De toute ouais. fa... façon, c'est tout scénarisé les entrées. Ouais, T'as vu ouais, en ouais. rising, c'est ça qui est, est génial. Show, est ça, tout ouais, tout. il te demande Ils demandent de faire un truc un peu un peu chaud. C'est génial. Yeah, euh... D'ailleurs, tu parles de Stampler texte, ça me fait penser à Anissa Mexen qui a annoncé qu'elle allait se mettre au MMA. Qu'est-ce que tu penses de cette signature euh, Je ne m'y attendais pas en fait. Je ne pensais pas qu'elle qu se lancerait pour de bon dans le MMA. Ouais. J'y je, je croyais pas ça, tellement. Ouais. Euh... Après, moi, je ne sais pas du tout comment elle s'entraîne en sol, en lutte, depuis combien de temps, donc je ne pourrais pas donner mon avis. Je sais qu'elle est très, très, très dangereuse dans son domaine et que c'est aujourd'hui la meilleure du monde, il n'y a rien à dire. Ah oui, c'est clair. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle trouve plus d'adversaires. Et, et je pense que c'est bien pour elle qu'elle nouvelle. C'est comme Cédric, Cédric Doumbé, tu vois, c'est à un moment donné, tu as le courage, quand même, faut le dire, de te lancer dans une nouvelle discipline et de repartir un peu à, à zéro, entre guillemets, c'est-à-dire d'être bah, personne dans cette discipline. Ouais, c'est un second souffle. Et, euh, et, voilà, de, et, et, et voilà, si elle est encore jeune, qu'elle a le temps de faire une carrière, bah, tant, tant mieux, c'est cool. Moi, j'ai hâte, de, si elle fait un combat, j'ai hâte de le voir. Hein. Ouais. Est-ce qu'ils vont lui trouver quelqu'un Apparemment, j'ai ouais, pu voir qu'elle avait signé pour une date, oh. donc... Euh, ouais. On va voir. <laughs> Est-ce qu'elle a l'adversaire Ça, j'en sais rien. Ouais. Alors, tu as signé quel type de contrat avec le Rising Alors, c'est juste un contrat, Donc, c'est-à-dire que combatté, euh, combatté Global me relâche pour un combat, ah, puisque je suis en exclusivité avec eux, normalement. Oh, okay. Et euh, voilà, m'autorise à faire un combat. Maintenant... Ils prennent une com sur ta prime ou pas le combatté Global euh, Ça, alors, ça, j'ai aucune idée. C'est vrai. J'ai aucune idée, moi, je ne m'occupe pas trop... De tout ça, j'ai vrai que j'ai un super manager maintenant qui, qui s'occupe de tout et euh, j'essaie de. Il s'appelle Carmen sen c'est un anglais. Ouais. J'ai changé il y a quelques mois, même pas, ouais, en début d'année, j'ai changé parce que celui que j'avais avant ne me correspondait plus. Et, euh, et il, est, il est excellent, vraiment, je lui laisse tout faire, je lui fais confiance et euh, après ça, je sais pas. Je... D'accord. Financièrement, le Rising, c'est intér intéressant. Alors, euh, c'est censé être intéressant. Ouais. Pour ce coup-là, je pense que ça aurait pu être encore plus intéressant. C'est un petit peu mieux que ce que j'ai au combatté, mais. Euh, mais en fait, je pense que je peux. Oui, c'est plus. Je euh... pourrais avoir plus parce que peut-être que je... c'est ma première fois. Ouais, qu'ils veulent me voir. Peut-être que si je fais un gros combat, il y a moyen d'avoir ah quelque oui, chose ouais. derrière. Mais pour l'instant, je trouve que c'est un peu radin quand même. Ah ouais Même si c'est beau. C'est un de te demander Ou c'est peut-être personnel, euh, voir la, la somme C'est bah, euh, correct pour vivre quelques mois ouais, euh, six voilà. mois, on va dire euh, à Londres. Ouais. <rire> <rire> Mais là, euh, après, ce qui, bah après moi, s'il ouais. y a des bonus, fight of the night, tout ça, ouais, en ouais. général, c'est ce que je vise et c'est ce que je vise à combattre à chaque fois. Pour, ça fait un peu. Ouais, oui. un si peu tu gagnes du bien, ce quoi. combat, il est possible que tu retournes euh, au régime. Je, je sais pas parce qu'après tout dépend de combattre aussi. Est-ce que ce combat il est compris dans mon ouais, contrat C'est complexe. Hein, il y a ça plein pour l'instant, je vais te dire, il y a plein de questions qui sont pas encore. Euh, J'ai mmh. pas encore les réponses et je ouais, les attends. Alors. Mais euh, mais je pense que je pense que oui je pense que si eux ils sont intéressés euh, pourquoi euh, pourquoi ça bah pourrait si, pas si se si faire si tu fais un, une belle entrée un beau combat un chaos of the night tu peux non, les réponses quoi. elles viendront ah, oui. dans l'action voilà si tu Exactement. vas leur, leur petite star ouais. euh, bah, ouais. tu pas n'importe tu deviens pas n'importe qui donc euh, moi c'est mon but ouais, vraiment ouais. c'est me faire remarquer là bas après comme je dis toujours victoire ou défaite je vais toujours pour des combats excitants j'ai toujours envie de finir dans avant la fin euh, même si je perds, je veux, dire, je veux montrer un beau show. Ouais, je, me montre, ouais. je veux donner de l'émotion. Et c'est ce que veulent les, 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 les Japonais aussi, tu vois. Le combat, il soit ouais. super excitant. Le Donc spectacle. Si je leur donne ça. Ouais. Bon. Spectacle. Alors en tout cas, pour cette saison 2023, on te souhaite un de gagner au Rising, 2. de prendre la ceinture du combatté global et peut-être ouais. pourquoi pas, l'Indicta qui avait les yeux sur toi, hein, c'est ce que et tu les en les a, les ans, mais contractuellement c'est ouais. difficile. Hein. Et pourquoi pas, peut-être un jour aller à l'UFC, mais ce n'est pas ton rêve et après tout, on peut faire beaucoup d'argent dans plein d'autres organisations. Exactement, il n'y a pas que l'UFC. Donc on te souhaite vraiment en tout cas de réussir à réunir ta famille et euh, de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Quant à nous, eh bien, on va suivre ça de très près et surtout, regardez le calendrier, il est chargé euh, ce mois-ci. Ce week-end, nous allons assister au comeback d'Anthony Salamon et de Mokhtar Ben dans la Smart Cage du PFL. Il s'agit d'étape de inaugurale des playoffs européens. 7 avril prochain, la retraite attendra pour le vétéran UFC Michael Lebou qui combattra pour la ceinture Arès. Le 15 avril, le luxembourgeois Yann Lias tentera un coup d'éclat au Cage Warrior en renversant euh, peut-être le tenant du titre, George Hardwick. On lui souhaite euh, de tout cœur de réaliser cet exploit. Et puis le 30 avril, le 30 avril pardon, on a parlé durant toute l'émission de cette échéance, ce seront les grands débuts de Claire Lopez au Rising. On est impatients. Merci. Claire, d'avoir fait le déplacement depuis Londres, On... tu reviens quand tu veux sur ce plateau, vraiment tu es la bienvenue. Merci Seb pour ton sourire merci. habituel merci. et merci à vous pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager l'émission si vous l'aimez. Allez, bonne soirée, bye.